Salut à tous, dit Tonton Fred, épisode 96. Et comme vous le voyez dans le titre, je vous parle de la loi de Tesla. Mais c'est quoi cette bête? C'est une loi qui a été développée par Larry Tesla, une personne qui a travaillé au parc de Xerox à l'époque où Apple est venu s'inspirer pour créer ses interfaces graphiques, et qu'on appelle aussi la loi de conservation de la complexité. C'est un bien grand mot pour dire que c'est le principe de dire qu'on peut toujours simplifier l'interface graphique jusqu'à un certain point, mais ce point étant atteint, la complexité intrinsèque de tout cela se déplace ailleurs, en clair dans le code. Parce que les interfaces graphiques très simples, un bouton, une simple boîte d'enregistrement par exemple, vous voulez vous enregistrer, oui ou non, ça c'est super simple. Ou encore, quand on avait, à l'époque on avait encore des disquettes, quand il y avait un problème de lecture-écriture, c'était voulez-vous réessayer? Oui, réessayer, ignorer ou abandonner l'opération. Ça, c'est des interfaces graphiques. Et Larry Tesla s'est aperçu qu'au bout d'un certain temps, on pouvait toujours, toujours simplifier, mais au bout d'un moment, l'apparence de l'interface graphique était tellement simplifiée que ça devenait ultra complexe au niveau du code. Donc, c'est devenu ce qu'on appelle la conservation de la complexité, qui dit, texto, chaque système d'interaction a un certain niveau de complexité. Le design ne peut simplifier les interactions que jusqu'à un certain point. Au-delà de ce point, la difficulté ne peut être que déplacée. Et le déplacement de la difficulté en informatique graphique, c'est le code. Parce que quand vous voyez des interfaces graphiques très jolies mais très simples, vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué de faire simple. Voilà. Donc c'est vrai, après ça, j'ai apprécié la connaissance de cette loi que je douter de l'existence grâce à un film sur Mastodon qui disait voilà pourquoi en citant Tesla les interfaces graphiques pour les logiciels libres seraient toujours moches et passables d'utilisation. Voilà, désolé pour l'explication un peu brouillon, mais c'est un principe qui est tout con. On ne peut pas simplifier à l'infini parce que plus on simplifie, plus on complexifie par endroit. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!